Ouais, bah, il y a Lolo Cochet, il a dit que un road trip, fallait se lever tôt et se coucher tard. Moi, je suis pas bien sûr que Lolo Cochet il soit vraiment levé tôt. Parce que dans son film, là, quand il va voir le lac Rose, là, chaque fois qu'il se lève, c'est grand jour, si ça se trouve. Le mec, il dit ça, il se lève à midi. Ah, on est presque à l'heure en fait. J'avais dit à 10h max on s'en va. Et 10h30. Petit lac d'Artoust, magnifique petit lac d'Artoust. Arrive à Bielsa, Bielska, pas confondre, c'est pas au même endroit. Si je te un beau conseil, une fois que tu as passé le col, que tu t'es bien pelé les miches, histoire de te remettre, c'est de t'arrêter à Bielska, tu prends direction Broto et tu vas trouver Asador del Mirador, un petit bar tenu par un motard, excellent, pas cher, vraiment trop cool. Et là, tu pourras te remettre un peu de tes émotions du col et surtout reprendre 2-3 calories dans ton corps. Voilà. En Espagne, ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas du tout. Donc tu as une tortillas, deux morceaux de pain, j'ai déjà avalé, une bière pour 2,70€, quelque chose comme ça. Tu vois, en France, pour 2,70€, tu as ça. Vive l'Espagne. Ouais, il n'y a pas que la bouffe et la bière qui est pas chère. Hein. Les clopes, j'en ai acheté un paquet de tabac, 5€ quoi. Tu vois, c'est pas la France. Par contre, je voulais te montrer ça là. Là, il va donner la température. Voilà, 6 degrés. Youhou! On appelle pas trop les biches. Ouais, mais bon, les pauses, c'est sympa. Tout à l'heure, au premier bar, là, j'ai quand même laissé 3 quarts d'heure pour moi chauffer. Du coup, maintenant, bah, faut rouler. Et du coup, ouais, voilà, road trip, quoi. Si t'avances pas, ça va pas avancer tout seul. Hein. Donc un peu perdu, j'ai demandé mon chemin mais comme j'ai pas pu imprimer la carte ce matin, un peu la baise. Et du coup bon, la posade de San Martín c'est bien par là hein. Ça c'est un truc que je voulais voir un peu comment on y va, mais je ne veux pas y aller maintenant. Et là je cherche la route du coup qui mène au col de Morroco et c'est un peu compliqué, il y a des carrefours partout. Alors j'ai écouté ce qu'il m'a dit le petit vieux, mais ça va pas être simple quoi. Là c'est demi-tour hein. C'est pas la bonne route. We'll be right back.
bonne route. Et bon, ça va globalement dans la bonne direction, on verra après quoi. Non, j'ai trouvé une carte, peut-être que je suis pas complètement mort. C'est bien quand tu perds, c'est que tu vois plein de jolis trucs. J'adore ces petits vieux ponts. Hein. Bon, et puis, je suis en reconnaissance, hein. Je veux dire, se perdre, c'est le but de la roco. C'est là qu'on en profite le plus, hein, croyez-moi. C'est pas en groupe quand on revient en plein été par 40 degrés. Ce pont, je vais trop. Voilà, nous sitôt. Ok. C'est quoi? Je t'ai vu, hein. T'as douté tout à l'heure, je t'ai vu, t'as fait mais c'est la bonne route. Bon, en fait, si, hein, je dois avouer, c'était pas la route prévue. Donc, bon, là, il n'y a pas de route, mais on a rejoint un Bolset tout à l'heure. Là, on a à Bolsa, on va aller là-bas. Et en fait, j'avais prévu de passer par la Garta. Voilà, ça y est, je me souviens. Par ici, là. Mais c'est pas très grave, en fait. Comme ça, on va aller jusqu'à Nocito. Cette route là justement, je veux savoir où elle passe. Et ben comme ça je le saurai. Et je vais passer par là. Ça va, c'est cool. De toute façon, il fait beau. Presque. J'attrape le con d'espagnol, le con d'électricien qui a foutu une ligne électrique pile sur ce décor merveilleux. Et voilà, c'est tout. Typiquement en voiture. Tu passes à côté, je suis même pas sûr que tu le vois, mais de toute façon tu y vas pas. En moto, tu passes à côté, tu freines, parce qu'il faut s'arrêter, tu fais demi-tour, parce que c'est un peu long, tu te gares et tu vas voir, parce que ça a l'air trop beau, tu vas voir. Ouais bon, ok, je m'attendais à une jolie cascade, c'est qu'une plaque de glace, mais quand même hein, une jolie plaque de glace. J'ai fait un petit détour par Nocito. Je vais pas me faire attraper par la nuit, mais au moins c'était beau. Des clubs quoi. Parce que le but de la journée c'était ça, acheter des clubs. Bien aussi.